Très ravi de vous retrouver pour ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce samedi. De peine de mort encourue par certains présumés auteurs du coup d'État manqué du 19 mai dernier. Trois semaines après ces crimes, une cinquantaine de ces assaillants, dont trois sujets américains, sont dans le box des accusés. Ils sont reprochés d'attentats, tentatives d'assassinat, meurtre et association de malfaiteurs. Des faits concernés sont passibles de la peine de mort. Le procès a débuté hier à la prison militaire d'Endolo, le détail dans un instant. Également au sommaire, le pasteur Kasambaka reste en prison. Cet homme d'église vient d'être condamné à 11 ans de servitude pénale et d'une amende de 2 millions de francs congolais pour viol sur mineur, mariage forcé et atteinte aux bonnes mœurs. Comme lui, Serge Mabiala, le père biologique de l'enfant mineur, vient aussi d'être condamné de 11 ans de servitude pénale. On y revient dans ce journal. Et enfin, la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, se débarrasse petit à petit de ses inciviques ou Kuluna. Des 180 jeunes délinquants et 20 volontaires viennent d'être transférés à Kanyamaka CC pour l'apprentissage de métier par le service national. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Nous venons de l'apprendre, le gouvernement congolais sera investi le mardi 11 juin prochain. La première ministre dépose aujourd'hui samedi le programme de son gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale, sauf changement de dernière minute. La guerre dans l'Est, la stabilité de la monnaie nationale et les sociales de la population parmi les priorités de ces programmes d'action. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Je le dis à l'ouverture de ce journal, de peine des morts encourues par certains présumés auteurs du coup d'État manqué du 19 mai dernier. Trois semaines après ces crimes, une cinquantaine de ces assaillants, dont trois sujets américains, sont dans les box des accusés. Ils sont reprochés d'attentats, tentatives d'assassinat, meurtre et association de malfaiteurs. Des faits concernés sont passibles de la peine des morts. Le procès a débuté hier à la prison militaire d'Endolo, comme nous dit Edith Chalakatala. À cette première audience, il a été question de l'identification des prévenus au procès opposant le ministère public aux 53 prévenus. Deux sont poursuivis à titre posthume, Christian Malanga et Aboubakar, non autrement identifiés, 41 pour 6 chefs d'accusation, attentat, extorsion, terrorisme, association des malfaiteurs, meurtre, détention illégale d'armes, et 10 pour 2 chefs d'accusation chacun, financement du terrorisme, participation à un mouvement armé et association des malfaiteurs. Ils sont tous liés à la tentative de déstabilisation des institutions de la République dans la nuit du 18 au 19 mai dernier, mais à des degrés divers. Ces événements avaient entraîné mort d'homme et envahissement du palais de la nation. La composition qui a suivi toutes les règles de procédure s'est dite régulièrement saisie et les prévenus ont été informés des griefs pour lesquels ils sont devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. Certains encourt la peine capitale, alors que d'autres, 20 ans de prison. La prochaine audience est fixée au 14 juin prochain. Le pasteur Kasambakana reste en prison. Cet homme d'église vient d'être condamné à 11 ans de servitude pénale et une amende de 2 millions de francs congolais pour viol sur mineur, mariage forcé et atteinte aux bonnes mœurs. Comme lui, Serge Mabiala, le père biologique de cet enfant mineur, vient aussi d'être condamné à 11 ans de prison. Le tribunal des grandes instances de la Gombe a rendu hier son verdict. Plus de précisions avec Nono Hélène Matekou. Le pasteur polygame Pierre Kasambakana, alias pasteur Kass, a été reconnu coupable ce vendredi 7 juin 2024 par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe pour mariage forcé dans son église, harcèlement sexuel et atteinte aux bonnes mœurs. Le pasteur de l'église primitive et son principal co-accusé, Daniel Mabiala Ndouzi, père biologique de la victime, Meda Mabiala, sont condamnés à chacun des 11 ans de servitude pénale principale avec une amende de 2 millions de francs congolais. Cependant, les prévenus Jean-Calvin Ngomazantoto, fonctionnaire de l'État, a écopé de 12 mois de servitude pénale avec une amende de 500 000 francs congolais pour avoir fabriqué une fausse attestation de naissance de la victime sur demande de son père. Une décision qui réjouit les mouvements de défense des droits des enfants et des femmes, à l'occurrence la Ligue Zone Afrique de défense des enfants, élèves et étudiants, Lisadel en sigle. Un pasteur très arrogant qui a prouvé son arrogance devant les juges tout en exhortant ses fidèles à aller consommer les rapports sexuels avec des mineurs.
Le fait qu'il est condamné, ça nous a quand même donné un peu de souffle. Parce que ce n'est pas la Lizadel qui est satisfaite, mais c'est la société civile congolaise qui trouve que la justice est en train d'écouter quand même le cri de la population à travers les organisations de la société civile dont la Lizadel a représenté. Cette condamnation inédite pour un homme d'église constitue un signal fort face à de tels agissements interdits par la loi du pays. Cela prouve à suffisance que personne n'est à l'abri de la justice lorsque des actes répréhensibles sont commis. Liombo Bosenge, le comptable public, sommet de payer 20 millions de francs congolais comme amende. Il est reconnu coupable pour faute de gestion. Le verdict a été rendu hier par la Cour des comptes. Regardez. Reconnu coupable de faute de gestion pour avoir déposé tardivement ses comptes à la Cour des comptes, Iyombo Bosengele, comptable public, s'est vu infliger une amende de 20 millions de francs congolais et toutes les exceptions soulevées par sa défense, entre autres l'incompétence de la Cour des comptes à juger un comptable public principal non assignataire, ont été rejetées par la Cour des comptes. Il s'agit là, en effet, du tout premier prononcé de verdict de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques de la République démocratique du Congo, rendu ce vendredi 7 juin 2024. Au-delà de la condamnation du comptable Iyombo Bosengele, une autre affaire opposant Bienvenu Boyaka Boela, comptable public de la district de la Funa, à la Cour de comptes, a été instruite par le présidium de la Chambre de discipline budgétaire conduite par le juge président Gilbert Tundwangu. Le procureur général a requis à la Cour d'infliger une amende de 27 millions à l'endroit de Bienvenue Moyaka Bouela pour faute de gestion. La séance plénière étant suspendue par le juge président et renvoyée au 14 de ce mois. L'École supérieure d'administration militaire veut s'inspirer du modèle de l'École nationale de l'administration ENA dans l'encadrement et formation des apprenants. Un groupe des stagiaires de l'ESAM, accompagné de leurs encadreurs, ont discuté avec les autorités de l'ENA sur la réforme de l'administration publique en RDC. Suivant. Le stagiaire de la 7e promotion de l'École supérieure d'administration militaire de Kinshasa, ESAM, ont effectué ce vendredi 7 juin 2024 une visite d'études et d'échanges à l'École nationale d'administration de la RDC ENA, située dans la commune de la Gombe à Kinshasa. À cette occasion, Guillaume Banga Wakimesa, directeur d'ELENA, a présenté à ses hôtes, à l'auditorium de cette école, l'objet social de son école et les stratégies de la réforme de l'administration publique congolaise. À l'issue de cette présentation, le général de brigade Kakenza Jean-Claude, commandant de l'ESAM, a remercié le directeur général d'ELENA pour son accueil chaleureux. L'école supérieure d'administration militaire que j'ai l'honneur de commander, son état-major ici présent, ainsi que tous les stagiaires, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, ne cesseront d'être reconnaissants pour la part combien importante que vous nous apportez chaque année dans les cursus de formation de nos administrateurs militaires au travers des visites. Nos deux institutions ont des similitudes dans leurs formations respectives. Un échange marqué par une série de questions-réponses entre les anciens élèves, les cadres de l'ENA, les stagiaires de l'ESAM, suivi des témoignages sur la formation dispensée par ces deux institutions publiques de formation. Une visite guidée du site a sanctionné ces passages et un cocktail a été servi pour la circonstance. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. La ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, se débarrasse petit à petit de ses inciviques ou Kuluna. Des 180 jeunes délinquants et 20 volontaires viennent d'être transférés à Kanyama KCC pour l'apprentissage de métier par le service national. Tout terreux, vous le verrez sur les images, ces futurs bâtisseurs disent vouloir être utiles pour le pays. Cédric Inina pour les explications. À chaque départ pour le centre de formation et d'instruction Félix-Antoine Tshisekedi à Kanyama KCC,
l'on assiste à un nombre croissant de jeunes délinquants urbains. À ce nombre s'ajoutent des volontaires séduits à l'idée d'apprendre un métier pour la vie. Kinshasa, Mbujimayi, nous voici dans le Haut-Katanga. Le pays est vaste. Il y a plusieurs jeunes. Pas seulement les jeunes délinquants, même les jeunes volontaires, les jeunes universitaires. Il y en a beaucoup qui veulent venir au service national pour suivre la formation et l'encadrement. Le pays a du pain sur la planche. Il y a encore du travail à faire. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais on ne doute pas. Il y a 4 ans, on n'était même pas en mesure d'encadrer un bataillon. Aujourd'hui, ce sont des brigades que nous sommes en train d'encadrer. Avec la ferme volonté politique du président de la République, chef de l'État, vous le voyez vous-même, je ne doute pas que d'ici peu, nous aurons la capacité d'encadrer peut-être 50 000 jeunes à la fois. Ce n'est pas impossible. Ces vagues incessantes de Kuluna ont produit leurs fruits, prenant à contre-pied les mauvaises langues qui voyaient en cette action éminemment sociale un départ pour un camp de concentration du genre nazi. Nous sommes jeunes, volontaires. Bâtisseurs, ils deviennent de leur retour du centre de Kanyamakasese. Une immersion totale dans un monde où les difficultés de la vie se résout par la formation et non la violence urbaine. L'université de martyrs du Congo, de Goma, au Nord Kivu, est une université camerounaise désormais. Mais dans la même, ces deux établissements d'enseignement supérieur viennent de signer un protocole d'accord visant l'encadrement et la supervision des étudiants en master et en formation doctorale. Regardons. Par sa signature, Mahmoud Abdul Moumini et Alphonse Massadi Milondo engagent leurs établissements supérieurs dans une convention de coopération. À travers cet accord paraffé par ses recteurs, l'université d'Ngaoundéré du Cameroun et celle des martyrs de Goma en République démocratique du Congo sont désormais liées. L'université d'Ngaoundéré va accompagner cette jeune université en ce qui concerne tout d'abord, disons, la sélection, l'encadrement et la supervision des étudiants en master et en thèse. Il y aura aussi la co-diplomation et puis la co-tutelle académique. L'université de Ngaoundéré justifie de plus de 30 ans d'ancienneté dans la formation académique au Cameroun. Selon Alphonse Massandi Milondo, l'université des martyrs de Goma fait ses premiers pas. Aussi est-elle également venue à l'école camerounaise voir la manière dont s'organise la formation en cycle de master et au troisième cycle. Et notre choix est tombé chez Ngaoundéré parce qu'en exploitant les nets, nous avons vu beaucoup d'informations concernant cette université et ce qui nous a poussé à nous approcher de cette université pour bénéficier de leur accompagnement, de leur coaching. Une coopération sub-syncopévérenne, enrichissante et fructueuse entre ces deux établissements universitaires du continent africain. L'année scolaire touche petit à petit à sa fin. L'heure du bilan a sonné. Les experts éducatifs de la province éducationnelle de Lukunga se sont retrouvés pour évaluer les différentes activités réalisées cette année. Un taux d'exécution estimé à 95%. L'alimentation scolaire demeure l'unique point non exécuté au cours de cette année, comme nous dit Anastasie Douf. Le directeur de la province éducationnelle de Kinshasa, Lukunga, M. Yoy Boket, Jean-Pierre, a présidé la séance de travail qui a regroupé les experts éducatifs, membres effectifs du comité provincial élargi, autour de la question sur la revue à mi-parcours des suivis et d'évaluation des niveaux d'exécution du plan d'action opérationnel, où ils ont évalué les activités planifiées par rapport aux objectifs fixés et les résultats obtenus des indicateurs liés dans les différentes actions réalisées dans les trois axes, à savoir l'accès, qualité et gouvernance dans les trois niveaux d'enseignement organisés, préscolaire, primaire et secondaire. L'activité qui nous a créé un peu de problèmes, c'est l'alimentation scolaire et que nous comptons dans les jours à venir doter la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga d'un grand jardin scolaire
qui doit permettre nécessairement aux écoles d'être alimentées pour la mise en œuvre de cet indicateur qui est très important de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Après avoir passé en revue les activités planifiées, les taux de réalisation s'élèvent à 95%. La province éducationnelle se félicite d'avoir réalisé avec succès du résultat obtenu avec l'appui du gouvernement de la République, des partenaires, des gestionnaires et des chefs d'établissement scolaire pour l'année prochaine. Restauration des écosystèmes en RDC, un grand projet sera bientôt mis en place. Ces projets financés à la hauteur de 10 millions de dollars par le Fonds de l'environnement mondial seront exécutés par le FIDA. Pour la première phase, seules trois provinces sont concernées, le Kwango, le Lualaba et les Haut-Katanga. Les experts environnementaux sont à Kinshasa pour mettre en place de stratégies. Des détails avec Redepanda. Il faut restaurer l'écosystème congolais à travers la lutte contre la déforestation. L'atelier de validation du document du projet national sur les approches de gestion intégrée, durable et adaptative pour soutenir la restauration des écosystèmes et diversification des moyens de subsistance dans le paysage des Nyombo au sud de la province du Kwango, au sud-est du Haut-Katanga et du Lualaba se tient justement pour discuter sur le contenu de ce document de référence proposé par les consultants nationaux et internationaux. À l'entame des échanges et réflexions, Mme Mitonga a rappelé l'intérêt manifesté par les participants pour leur disponibilité. 10 millions de dollars américains sont disponibilisés par le Fonds environnemental mondial et la Fédération internationale agricole FIDA pour la réalisation de ce projet. C'est un projet qui consiste à lutter contre la dégradation des forêts et préserver l'environnement en vue de permettre aux communautés de bien vivre sur leur paysage en exerçant les activités agropastorales. C'est le secrétaire général à l'environnement, Benjamin Toarambe, qui a procédé à l'ouverture de ces assises et en donne la motivation. Nous sommes là pour consolider les documents de projet qui a été élaboré pour que, quand nous allons l'envoyer au niveau des fermes, ça peut être accepté et que le projet commence. Étant donné que ce projet est multisectoriel et transversal, différents ministères représentés par leurs secrétaires généraux, les organisations non gouvernementales et la société civile faisant partie prenante ont envoyé leurs participants. Détention illégale des armes. La province de l'Ituri veut intensifier sa campagne de sensibilisation sur le terrain. L'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale ont pris l'engagement de travail des communs accords pour mettre fin à l'insécurité. C'est la décision finale prise au terme d'une réunion entre les deux parties. Junior Selimani pour d'autres précisions. Le niveau de collaboration entre l'administration militaire de l'Ituri et les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de cette province s'est raffermi davantage. La situation sécuritaire et les actions de développement menées par l'administration militaire étaient au centre des discussions entre le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny et le président Haï de l'organe délibérant de l'Ituri, l'honorable Louis Masumbuko Adaba. Occasion pour les porte-parole de l'Assemblée provinciale d'encourager l'élan de développement observé à Bounia et ses environs. Les actions de développement sont vraiment à saluer, on le voit. Il était aussi demandé, il ne fallait pas s'arrêter seulement pour Bounia, il faut voir les autres territoires, Arou, Mahagi, Mambasa à l'intérieur. Parlant de la situation sécuritaire, l'honorable Pélé Kassouara Taïgomo d'inviter les groupes armés réfractaires au processus de paix, de mettre fin à la violence de toute nature. Tuer son frère, ce n'est pas une solution. Aujourd'hui, quand on voit Ndjougou, nos frères Ndjougou doivent regretter. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'enregistrer un grand retard sur le plan de développement. Les deux parties se sont accordées depuis un temps, se rencontrer une fois les mois. C'est non seulement pour cimenter les relations, mais bien plus passer en revue toutes les questions ayant trait à la vie de la province. La rencontre de ce jeudi 6 juin était la deuxième entre les deux institutions politiques de la province à l'espace d'un mois.
Plusieurs écoles de la ville de Likasi dans le Haut-Katanga, dotées des bons pupitres, un don de la maire de la ville. Les complexes scolaires Kikula et une école des enfants de militaires sont parmi les premiers bénéficiaires de ces dons. Ricardo Bambeka a signé ce reportage. Le maire de la ville de Likasi accompagne la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la gratuité de l'enseignement de base. Henri Mungomba Tamba a doté jeudi 6 juin 2024 certains établissements scolaires de sa juridiction en bancs scolaires. C'est le cas notamment de l'EPE Oussamani où 64 bancs ont été disponibilisés afin de pallier à la carence criante en bancs scolaires. Le président de la commission de distribution a fait voir que l'autorité urbaine vient en appui à ses voeux des gratuités de l'enseignement de base que prône le gouvernement de la République. Pour le lieutenant-colonel Liévin Kitoko, commandant Boulouo, c'est un bouffet d'oxygène pour ses enfants, majoritairement enfants militaires. Avec les dons que vous venez de faire pour ces enfants, nous les militaires, nous sommes très reconnaissants. Nous en sommes très reconnaissants, monsieur le maire. Les petits mots que je peux glisser à l'instant même, c'est vous remercier seulement. Puis, c'était le tour du complexe scolaire laïque de la commune de Kikula. C'est un vaste programme, un premier pas dans la matérialisation de ses soucis du chef de l'État dans son plan que d'aucuns croyaient d'irréaliste. Le maire Henri Mungomba Tamba l'a dit en présence du sous-proviseur et du corps enseignant. Dorénavant, on fera en sorte que chaque dot, chaque année, puisse offrir de bain aux écoles. L'autorité urbaine attend par ses actions visibles rendre effective la vision du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Appui et consolidation de mécanismes d'alerte précoce sur la gestion de la protection civile, c'est le thème débattu au cours d'un atelier qui s'est tenu dans la province du Tanganyika. Les participants ont formulé plusieurs recommandations allant dans le sens de la protection de la population. Suivant. Dans la province du Tanganyika, a eu lieu un atelier de clôture d'appui et consolidation des mécanismes d'alerte précoce sous la gestion de la protection civile avec le soutien du cluster protection de la province du Tanganyika. Ce projet avait été décliné en deux phases, dont la première visée à consolider les mécanismes d'alerte précoce et la seconde à renforcer les réponses aux alertes. Les activités de cette première phase ont été menées dans quatre territoires, notamment Kabalo, Kalemi, Moba, et Niouzou sur les 6 que compte la province du Tanganyika. Ce qui a permis de doter la protection civile de matériel, mais également d'une base de données harmonisée, opérationnelle à ligne, dénommée Alert Book, pour assurer efficacement la collecte et la documentation des alertes. L'atelier du 28 mai 2024 s'inscrivait dans une logique de redevabilité au terme des activités réalisées et avait pour but de présenter les principaux résultats de la première phase du projet, les leçons apprises et les principaux défis ayant marqué la mise en œuvre. Il a réuni les ministres provinciaux, les chefs de division, les représentants de la société civile de la province du Tanganyika, ainsi que les représentants des agences de système des Nations Unies et des ONG. La présentation des résultats du projet et des évaluations a été précédée par les allocutions, notamment Emery Mboukab, représentant de la chef de la sous-délégation HCR Kalemi, suivi des représentants des chefs de bureau intégré des Nations Unies, Leonidas Kingiye, et le mot des ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité. Cet atelier a été sanctionné par la signature des certificats de remise du projet par les parties prenantes, transférées au service provincial de la protection civile par Michel Ehuman, coordonnatrice du cluster protection et du projet Alert Book dans le Tanganyika. De l'éclairage public dans la commune de Ngiringiri, Kassavubu, certaines artères de ces communes sont éclairées. À la manœuvre, l'entreprise Solectra, le gouverneur sortant de la ville de Kinshasa, était hier tard dans la nuit pour se rendre compte du travail réalisé. Gentini Chingobila dit être flatté par le matériel installé. D'autres précisions avec Djoudjoun Dibou. Se rendre compte de l'avancement des travaux d'installation de l'éclairage public à travers la ville-province Kinshasa, c'est la mission qu'a effectuée le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qu'accompagné les techniciens dans les communes de Ngiringiri et Kassavubu. Satisfait des travaux exécutés par l'entreprise Solectra, à la grande satisfaction de la population qui salue la qualité de ses lampes. Et là, nous avons fait une tournée à travers la ville pour visiter les travaux que nos amis de Solectra ont fait à travers la ville. Alors voilà, pour moi, j'aimerais féliciter ici cette entreprise qui a amené du beau matériel de qualité
et on voit la différence entre d'abord l'éclairage, au niveau de luxe, on sent que les lampes de Solectra éclairent beaucoup plus. Aussi la circulation est beaucoup plus fluide, il y a une bonne visibilité des conducteurs et les gens peuvent se repérer, même les gens qui traversent la route, donc les passants, traversent en toute sécurité. Le directeur technique du gouvernorat a dit, mais quand le fournisseur a dit que ça c'est les mêmes lampes qu'on mettrait à Dubaï, il a dit mais Kinshasa n'a pas droit à avoir la même luminosité que Dubaï. Donc c'est un choix. Et dans le métier, le client est roi. Et je pense qu'on s'est plié à ça. La tension est toujours vive entre la ministre des Affaires sociales en charge des personnes vulnérables et certaines personnes vivant avec handicap. Ces dernières s'opposent à la reconduction de Irène Sambo-Diatar au sein du gouvernement. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme veut jouer à la médiation. Paul Sampou a discuté tour à tour avec les deux parties en conflit pour désamorcer la tension. Il est au micro de Betty Amanikunda. Lorsque il y a eu tension le 1er juin, un samedi, qui avait bloqué complètement la circulation et qui a failli tourner mal. C'est en ce moment-là que je pris mes responsabilités en tant que président de la CNDH pour calmer les manifestants. Je les ai reçus avec mes collègues de la CNDH. Ils nous ont présenté leurs doléances, leurs mémo, et nous avons vite compris que le conflit est gérable et il y a beaucoup d'incompréhension aussi, et nous leur avions promis que nous allons les aider à trouver le calme pour la sauvegarde du ministère. C'est la raison qui justifie ma présence au cabinet de son Excellence Irène Essambo. Et nous venons d'échanger sur ce qu'elle a pu réaliser durant le premier mandat, ce qui reste à faire. Donc je prie aussi son son de cloche pour comprendre comment nous pouvons définitivement enterrer cette hache de guerre que l'autre parti avait voulu brandir en faisant toutes ces actions. En entretemps, j'ai insisté sur le cessez-le-feu en quelque sorte, pas des manifestations, jusqu'au moment où les partis vont se mettre ensemble pour continuer dans la paix. Vers l'instauration des nouvelles filières pour la formation dans les secteurs de l'environnement à l'INPP, un protocole d'attente vient d'être signé entre l'Institut national de préparation professionnelle et une ONG gabonaise. C'est un reportage de Séverine Pascal Katanda et Bijoué Kamba. Les travaux de la COP 27-28 ont démontré l'importance du métier vert dans un monde en pleine transformation. D'où l'urgence de développer les filières permettant la formation sur les métiers verts, identifiables en agroforestier, énergie renouvelable, développement durable et l'agriculture, pour encadrer des entreprises juniors et les start-up. Identifié comme la grande école de formation en Afrique centrale, l'Institut national de préparation professionnelle INPP a été sélectionné pour cette formation des jeunes Congolais. Le directeur général adjoint de l'INPP, Patrick Kayembe Soumpi, a signé un protocole d'attente sur les reboisements et le développement des compétences des jeunes entre l'INPP et l'ONG des Gabonaises On Force Youth Initiative et la Chambre de commerce et industrie du Congo central. Le métier vert aujourd'hui est la protection de l'écosystème du bassin du Congo. La République démocratique du Congo est partie prenante. Cette nouvelle vague qui s'impose à nous, alors ce que ça va apporter à l'INPP, ce sont ces filières-là qui se développent aujourd'hui à l'INPP que nous sommes en train de promouvoir. C'est la phase pilote qui démarre pour un programme de 2 ans avant son implantation dans toutes les provinces, confirme le secrétaire permanent de One Forest. C'est un projet de développement des compétences
de favorisation des mobilités croisées, mais également un projet qui va permettre la formation à l'entrepreneuriat vert et décent. Les jeunes Congolais devraient s'identifier à ce programme dans le cadre de l'entrepreneuriat. En prélude de la mise en place des commissions permanentes et groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, plusieurs rapprochements avec l'UDPS sont déjà constatés. Au cours d'une rencontre avec le député national et sénateur, le secrétaire général de l'UDPS et le membre du présidium de l'Union sacrée ont fait un rappel à l'ordre, comme nous dit Alain Bikay. La mise en place des groupes parlementaires et commissions permanentes de l'Assemblée nationale, l'UDPS est plus que resserrée. Fort de ses 75 députés nationaux, trois groupes parlementaires garantis et un quatrième à composer avec les partis alliés. 75 de mosaïques composeront aussi quatre groupes parlementaires. Il faut noter qu'il y a plusieurs rapprochements avec l'UDPS constaté, la CRD de Christophe Mbosso et autres. Une alliance avec FDC à débattre, Lukwebo n'est pas exclue. Au cours de cette réunion préparatoire de la mise en place des commissions à l'Assemblée nationale et au Sénat pour les bureaux définitifs, le secrétaire général de l'UDPS a rappelé le soutien au programme du gouvernement qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Nous sommes membres de l'Union sacrée. L'Union sacrée, ce n'est pas une initiative du Présidium. L'Union sacrée, c'est l'initiative du chef de l'État. Rien que pour ça, nous sommes dans l'obligation de soutenir toutes les actions du chef de l'État. La solidité du bloc est ici évoquée par l'honorable Modeste Bahati, membre du Présidium de l'Union sacrée. Notre rencontre doit cimenter notre amour, notre solidarité et notre combativité. Nous devons former un bloc solide. J'aimerais que les députés et sénateurs de l'AFDC-AI se lèvent pour saluer cette initiative. Toutes les grandes figures de l'UDPS, Mosaïque, du cartel RCDA et AFDCA et tous les autres alliés ont pris part à cette réunion qui présage la bonne gestion des grandes manœuvres à venir. Politique encore, et cette fois c'est pour finir, et comme les parlementaires, les extra-parlementaires de l'Union sacrée disent aussi apporter leur soutien au chef de l'État. Dans une déclaration commune rendue publique, ils réitèrent également leur soutien à toutes les institutions du pays. Ils ont réagi au micro des Rodépanda. Dans une déclaration politique faite à l'issue de la réunion d'évaluation tenue au centre culturel Boboto à Gombe, la coordination de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation, MEP-ICN, s'est exprimée sur plusieurs questions brûlantes de l'heure. D'entrée de jeu, cette structure a condamné la tentative de déstabilisation des institutions du pays et réitère un soutien indéfectible au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La coordination de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée pour la nation félicite les forces armées et les services de sécurité pour avoir étouffé dans ce plan machiavélique. Et félicite le président de la République pour son ferme engagement d'assurer la mise en place des institutions issues des élections du 20 décembre 2023. La MEP-ICN a par ailleurs salué la mise en place de nouvelles instances dirigeantes du pays. La majorité extra-parlementaire note avec satisfaction la nomination le 28 mai dernier des membres du gouvernement avec environ 32% de femmes et présente ses vives félicitations à toute l'équipe gouvernementale. La majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée appelle à matérialiser la vision de la plus haute autorité de l'Union sacrée, celle du Grand Rassemblement pour la conservation de la démocratie. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h Janine Kalenga. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.